Un pique-nique où se réunissent voisins, amis, clients, et pour un moment de partage. C'est vrai que pour nous, c'est important de partager des produits de terroir, de saison, cuisinés avec envie. Et nous, on partage notre millésime aussi. Et il faut aimer accueillir, et il faut, mais je crois que c'est important, c'est un domaine, ça doit rester vivant. On est dans un climat à la fois touristique, à la fois d'accueil, de vacances, où nous, d'accueillir des vacanciers, des amis, des voisins, on se sent aussi un petit peu en vacances. Bon, c'est un peu le style auberge espagnole, donc chacun amène un plat, cuisiné, et puis voilà, chacun boit un petit verre. C'est justement sa production qui est fort sympa. Il a une belle gamme de vins qui très sympathique, moi je trouve, et un chouette moment en fait. C'est super agréable, on se retrouve dans un petit coin de nature, paisible, tout le monde ramène un petit peu ce qu'il a envie et puis on partage un petit moment de convivialité, c'est très sympa. Donc ça c'est votre Saint-Joseph ? C'est Saint-Joseph en 2008. On venait leur expliquer également le terroir, puisqu'on a sorti sur l'appellation Crozet-Hermitage la carte des terroirs ce début d'année 2011, donc c'était l'occasion de leur montrer ce qu'était un terroir, en visite sur le terrain, par les vins, avec des vins qui sont aujourd'hui à la commercialisation, mais également des vins qui ne sont plus à la vente, et comme j'avais mis sur les fiches dégustation, pour le plaisir, pour leur permettre de voir où en étaient les millésimes qu'ils pouvaient avoir encore en cave. Le nez, il est... Mais vous sentez quelque chose quand même ? Oui. Les gens sont demandeurs, parce qu'aujourd'hui, devant un linéaire de grande surface où... À part avoir une carte de bon millésime ou mauvais millésime, on ne sait pas où donner de la tête, que les gens là posent des questions par rapport au terroir, posent des questions par rapport à la méthode de vinification, posent des questions pourquoi on trouve tel goût, pourquoi on peut trouver tel autre goût. Je pense que tout s'explique. Il y a un dicton sur le domaine, c'est si tu veux du rosé, c'est ce printemps ou dans un an. Voilà, créer ces rencontres, ce partage, cette convivialité où se rencontrent à la fois touristes, clients, amis, voisins, cousins, c'est super important quoi, pour nous.